Voilà les amis, après une journée très difficile hier, je me suis levé vers 8 h avec ce super décor à l'arrière. Donc voilà, je suis content d'être en matinée parce que la nuit était assez longue. J'ai pas eu froid, j'ai pas eu chaud non plus, mais voilà, ça a été en tout cas. Je vous montre un petit peu les préparations que du matin. Jour de ma randonnée, on est le 21 juillet. J'ai passé une très bonne nuit en sachant que la veille j'avais marché pas mal et c'était assez difficile. Donc aujourd'hui, voilà, la journée est nettement meilleure. Il est même pas encore midi, donc je vais essayer d'aller au plan Bertol. Faut compter 2 h 30 de vol. Et derrière moi, ben vous voyez le mont Collant. Voilà, encore une journée agréable que je vous ferai découvrir. Avec le drone, bien entendu. Ah, je sais pas si j'ai des hallucinations. Ça fait quand même plus d'une heure et demie que je marche. Et regardez un peu derrière moi là-bas. De loin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. La Vierge Marie. En fait, non, c'est une statue, mais voilà. De loin, je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un. Ah, c'est pas facile la montagne, hein. Il faut vraiment être entraîné parce que c'est dur. Les montées, manque d'oxygène. Encore une fois, je dépasse les 2000 mètres. Je dois être un peu moins haut que hier, 2300, 2400. Et voilà, en tout cas, j'ai un super beau panorama avec le glacier, le bas glacier d'Arola. Et au fond, le mont Collant. Je vous laisse admirer.
voilà, je me trouve à 50 mètres d'un troupeau de moutons. Et c'est marrant parce que voilà, je suis passé ici dans le coin il y a plus ou moins une vingtaine d'années. Et typiquement, il y a toujours des moutons. Bon, je dirais pas que c'est les mêmes 20 ans après, mais voilà, c'est vraiment le lieu où on trouve voilà, une vingtaine de moutons ici au pied du Mont Collant. C'est incroyable. Et en plus, la montagne est en pente et ils sont là à bronzer. Impressionnant en tout cas. Voilà, je me trouve ici au plan Bertholle, à 2664 mètres d'altitude. Je dois dire que c'est assez impressionnant. Entouré de montagnes, ça va, il n'y a pas trop de vent. J'ai l'occasion de voir ici près de moi des oiseaux, malheureusement je n'ai pas pu les filmer. Mais voilà, je vous fais découvrir encore une fois le glacier du Mont Collant et bien sûr en fond d'écran le Mont Collant. Voilà. Alors, l'objectif, ça va, il est 15h, c'est d'arriver là-haut, la cabane Bertholle. Je vais voir si c'est possible, parce que je vois qu'il y a un glacier. En tout cas, je vais aller au bord du glacier, après on verra bien. J'ai mis quand même, j'ai pris avec mon t-shirt et mon polaire, parce que voilà, je vais arriver à 3000 mètres d'altitude. Il fait un peu frisqué, donc voilà, toujours prendre dans son sac. Vous pouvez partir avec un t-shirt comme je fais. Mais pour revenir, un couvre-cou et surtout un gilet, donc, parce qu'il fait assez froid. Il y a un peu de vent là d'ailleurs. Juste à l'instant, je vous parle, qui se lève. Mais voilà, c'est là que j'irai. Ici, je suis au plan Bertholle. Et c'est au glacier que j'irai et après on verra bien. Si c'est possible, je ne prendrai pas de risque. Je ne suis pas équipé, je n'ai pas de crampons, donc... Voilà, c'est déjà fait auparavant. Je dois aller jusqu'à la cabane Bertholle.
Ah, j'ai traversé mes premières neiges. Après le glacier, là-haut. Il y a des gens qui me suivent, ils sont à la traîne parce qu'ils étaient presque derrière moi. Et là, je les vois plus bas. Je vais peut-être les attendre parce que je vais pas faire ça seul. Bon, je pense qu'il n'y a pas de danger. Je l'ai déjà fait il y a très longtemps. Voilà, en tout cas, il n'y a que de la neige. Bon, je pense que c'est plus facile dans la neige, mais là, voilà, j'y suis. Hein. Bon, je sais pas combien de temps j'y serai. Ils ont dit trois quarts d'heure pour arriver au glacier de Bertholdt. Bah, j'ai mis une demi-heure. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais sincèrement, j'ai mis une demi-heure. Voilà. Et la montée jusque le plan Bertholdt, je pense que j'ai mis 1h45, 1h30. Enfin, faut que je regarde. Donc voilà, je vais peut-être trop vite parce qu'il y a des moments où je suis fatigué. Voilà. Voilà, c'est parti. Que de la neige. La seule chose que j'ai pas pris, c'est mes genouillères. Alors le truc à faire, c'est toujours piquer la neige comme ça, pour pas tomber dans une crevasse ou un trou. En tout cas là, il y a un panneau qui indique le chemin. Et bah c'est étonnant. À mon avis, il a dû neiger beaucoup parce que le panneau est presque rempli de neige. En plein été, marcher dans la neige. Je m'en souviens pas que la dernière fois, il y a 20 ans, il y avait autant de neige. Franchement. Coucou la famille, je vous laisse une petite vidéo. Franchement, je suis dans un beau décor. C'est pas facile, mais voilà, je vais attendre des gens là. Je vais aller avec eux. Franchement, c'est dur, mais voilà, je vais aller jusqu'en haut. En tout cas, ça aura de mérite d'aller
à cette cabane Berthol. Et pas trop tard, donc ça va. Je pense en moins d'une heure, j'y suis, après redescendre. Donc c'est bon, tant que je redescends pas dans le noir. Voilà, un petit coucou. Alors j'y suis presque. Alors on m'a dit, j'ai trouvé deux alpinistes là. Donc eux vont traverser les glaciers. On m'a dit une demi-heure. Eh bien on travaille une demi-heure. Ça passe tellement vite. Ici une demi-heure, c'est interminable. C'est long, 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 long. C'est incroyable. En montagne, on a plus la notion du temps. J'ai l'impression que le temps est au ralenti. Bah tant mieux, hein. Mais voilà, le temps est vraiment au ralenti. Voilà, une demi-heure et après il y a des échelles à faire. Et après, là, c'est un panorama extraordinaire. Je suis venu ici à plus de 20 ans. Et là, c'était grandiose, grandiose, grandiose. Bon, après, il faut redescendre. Tout ça. Il y a encore du travail.